il est un peu trop cramé, donc complètement sûr. Voilà, il y a un reste d'homme, c'est délicat, il faut attendre de temps en temps, même si elle est pas si difficile que ça à arrêter. Ah bah le revers. Ah ça n'est pas encore difficile là pour sauver. Ça va être dur, ça va être dur. Il a fait d'or, c'est dommage qu'il le sent pas avant. Là, le premier match pour Pierre-Coun. Hélas. 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 Notons que ça joue très stratégique entre les Pierre-Coun. Ah, Pierre-Coun qui est au joueur. Vraiment, c'est vrai. Il veut jouer pour la gagne. Il veut arrêter de faire son chômage. C'est ça. Il a un jour, il a perdu les gardiens. Il est très vieilli, hein, ça se voit. Il est bientôt. Il a changé. Il a changé. Il a annoncé tel Zidane. C'est un peu les Zidane de Jamers. Pierre-Coun qui retrouvera son nom roi, c'est grâce à Cristiano Ronaldo. Et voilà, le deuxième match. Oh, direct de rentrer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, Souna, mets-toi. Bon match. Voilà, Souna qui, à mon avis, prend un peu la pression. Donc, je suis là, ce moment. Alors, on va contre-pied 5 points. Là, il y a 8-0. Il n'y a même pas 20 secondes qui sont passées. Il a la pression, Souna. Est-ce qu'il est en train de faire la même chose qu'à l'intérieur? Ah, là, Simon qui a lâché son attention, qui a pris 3 points. C'est bien. Donc, il faut que Souna retrouve là son jeu du moment tout d'agresser pour te filer, comme le faisait tout à l'heure. C'est ça qui est en fait.
base. Cette veste verte qui ressemble au costume, je crois, de Gohan. Oui, Gohan, non, je me souviens qui est très faible, hein, je crois. Oui. Donc, c'est assez. La finale loser qui va commencer. La finale loser. On peut venir les deux joueurs. C'est leur dernier match peut-être pour l'un d'entre eux. Et l'autre ira en grande finale de ce tournoi de Wimbledon 2016. Du gros masque. Et ça va être le même match contre Kelsen. Il est chaud normalement. Est-ce qu'il va pouvoir retrouver le mental pour battre un Scott alors qu'il vient de se faire tuer 2-0. En tout cas, pour l'instant, rien ne fonctionne au niveau des terrains. On a vu la plage tout le long, à part un stadium. Oui, vous pouvez pas prendre un terrain en place, s'il vous plaît, que j'envoie. Pour l'instant, Vibro qui va faire le même déplan qu'il a fait contre Bagrog. Je vais marcher. Voilà, qui a très bien marché, puisqu'il est là. Pour décaler au filet et au retour en arrière. Cordetto, ça va être super speed. Et là, bizarrement, là, c'est Soud qui subit. Mais il maîtrise la défense, elle est là. Il y a un peu de ce que David Gros, il a
le reprends pas. Parce que tu suis pas tout là. Tout simplement, c'est un miroir, c'est quoi? Ça peut être magnifique. Pour l'instant, toujours 0-0. Si Soud a pas trouvé son agressivité de tout à l'heure, il a trouvé solidité défensive, oui, sérénité. Moi, c'est vrai qu'on a. Il revient 0-0, que prend la séance. 60 secondes de jeu passé. Plus la moitié était passée. Offensivement, il y aura encore un peu de Soud. Mais il reste à penser que. Mais non, c'est grave ça. Attention, il aurait pu rentrer dans ses pièges. Ah là, c'était vraiment cramé, il faut vraiment qu'il essaie de mixer parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Et prendre ton premier, il est parti trop tôt. Il est parti trop tôt. À mon avis, vous les tossez. Il y a un réseau universel.
pour Dikoui, 7 secondes. Allez, Duro, il faut les intéresser. Voilà, Dikoui, incroyable. Allez, bien joué, allez, bien joué, Léon. Et pourtant le match-up est assez équilibré hein, entre les deux persos, mais là c'est un avis, c'est que le jeu, le pro n'était pas prêt pour jouer aussi vite à tuer un coup. Oh là là, il a juste un petit peu loupé sur toi. Il a raté le match pour le faire. Il est resté sur place. Et là c'est quand même extrêmement cher pour Kikou là qui a vraiment d'abord des plans parfaits pour le stop-vibro anti-vibro vraiment. Là c'est encore 30 minutes. Ah, c'était bien tenté, mais Kikou il était là, il était pas enfilé, il n'y avait aucune raison pour venir. C'est Kikou qui n'a aucun dos pour l'instant, c'est très... Oh oui, mais il n'y a aucun déchet. Je défonce. Super speed. Tire tout droit sur la piste. C'est aussi super speed. Et là, de placement, Kikou il aime bien faire sa pour ralentir le jeu et le retrouver à son avantage. C'est le tour en place, c'est le tour en place. Le placement, c'est une solution. Après, là, le temps passe, il faudra peut-être jouer agressif. De la part de Duro, avec un sol encore les super speed, le placement reste 30 secondes. Et Duro esquive encore super speed. Au time over à 3.0. Il reste 20 secondes de jeu, monsieur. Et là, Duro qui est dans un dilemme, il ne peut pas jouer agressif parce que sinon, il prend le fameux revers de Yu qui lui passe dans le dos. Il ne peut pas rester trop quand c'est trop derrière parce qu'il doit subir tout le match, sinon c'est très compliqué. Et Kikou qui fait aucune erreur de placement. Attention, il reste 5 secondes, mais là, c'est pas. Et encore un miss, mais quel enfant. Tu veux pas finir de gagner les matchs, mais quel chien qui baisse. Même la grande finale, il fait ça. Tu nous fais ça sur la grande finale. Est-ce que tu vas Counter Pitch? J'en veux fort. Et il y a encore des surprises. Et la surprise, ça prend bien du temps. Le second moyen. Ah non. Est-ce que ça va garder la plage? Ça, ça prend la plage. Ah non. Avec Gladji. Ah non, vous mettez pas vos espoirs. Gladji, la plage, on a cru un clair qui est le perso. Gladji qui est top tier sur Clever, ça va rester la plage. Peut-être le dernier match de Windjammer sur scène aujourd'hui. Kikou qui pourrait remporter le dernier tournoi de sa carrière de joueur de Windjammer. Et là, ça va jouer avec les deux côtés. Hein. Il n'y aura pas le temps pour l'attendre. Ça va être full, super. Il est le temps de jouer le perso. Kikou, oh, oui, il a le tour de lui. Il a mangé la tête. Ah, il a fait le tour, il a rentré. Il a fait le tour. Alors ça c'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Dans 5 mois, ça compte encore chez le bureau. J'ai appris par ça. Allez, dans le bureau. Oh non, il y a un déplacement sur le déplacement. Un déplacement de Piaget qui sont très différents de ceux de Scott. Pourtant, mais là, c'est assez similaire. Encore une fois, enroulé autour du perso. Alors autant le premier match, on a vu l'agression très forte, autant là ça joue ça. Oh, vous avez envie, on en a rien à foutre. Oh, oui. On donne tout ce qu'on a. Allez, c'est tout seul. Ah, ça monte encore. Oui, c'est mieux. Il y aura la politesse. Attention, ça peut tuer de partie de l'autre. 9 à 8, il reste plus 20 secondes. Et Vibro là qui a trouvé peut-être la faille dans le deuxième plan de Kikou. L'agression pour tuer l'agression. Ça fait 15 secondes, mais attention à Kikou, c'est le plan le plus agressif du jeu. C'est ça Vibro, c'est ça. Tu vois le respect que vous avez là. Allez Vibro, il tire tout le monde. Et ça fait un partout sur ce match. On a fini de camper en fond de cours maintenant, c'est tout qui joue au filet. Ouais, super du top. Avant des mix-ups infâmes à la suite, super du filet tout à l'heure. Le sous de 50-50. On va jouer au filet. Oh, c'est raté. Ah, Vibro, là, il faut pas qu'il fasse ce genre de choses. Pas aujourd'hui, pas sur ce match. C'est vraiment bon aujourd'hui. C'est aussi. Merci. Il a failli prendre la pro, il a très bon sur le timing, mais ça peut mal finir. Oh, il était au fond des filets, normal, c'était mérité. Il a lâché les fous trop tard. Et là, il y a 6 euros pour l'instant. Ça marche pas tout pour les figurants. Apparemment, c'est bien adapté au jeu d'agression. Et qui commence à jouer passif-agressif.
super chaud. Il a gagné les petits coups. Allez. Oh là là, là, là encore neuf. Encore un jour. Est-ce que ça c'est bien aussi, mais ça fait mal au mental du joueur. Qui lui doit reset, c'est qui coude. Ah oui, sur le deux saltos. Allez, il y a 9 points à attraper. Mais avec un jeu de chiffres comme ça. Parce que ça pouvait finir en haut comme en bas. Il était très loin du filet, ça... Qu'est-ce qu'il n'y avait pas de temps pour les réflexes. Oh non, tu ne peux pas se manier parce que j'ai mis. Oh non. Oh, il ne fait pas. Incroyable, qui coule, qui a décidé à... Ah, merci. Oh, merci. Oh, merci. C'est même plus surprenant. Là. Le finit le match. Allez. Et là, ça peut être... Il y a balle de mal, balle de tour d'abord qui coule. Ça commence à être compliqué. Moi, j'ai mal à dire. Qui est à deux doigts de remporter ce grand tournoi de Blue Jabbers. Est-ce que le public va soutenir Wimbro Master ou Kikoun? Qui est pour Wimbro Master dans la salle? Le chef pour le chef pour même. Qui Allez Wimbro, on tourne au cran en toi, le public est avec toi. C'est aujourd'hui l'esprit Shonen. Tu es le dernier Shonen d'or. Ah, il prend 3 points. Mais c'est pas terminé, il reste une minute. Non, c'est bon. Une minute pour sauver son match. Une minute pour tuer la bête. Encore un avant pro. Allez, on va s'entendre. Je sais, mais Kikuna qui a encore remet tout, mais. Ah, mais c'est bon, qui fait beaucoup de remplacements pour bien se déplacer. Oh là là, il y a les dashs, c'est ça, c'est ça. Prends ta allez, 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 cette confiance, c'est encore possible pour Vibro. Vas-y, mon gars. Le classique. Je veux pas prendre ta c'est encore jouable pour Vibro. Il faut qu'il ait, il faut qu'il ait tout ce qu'il a. 30 secondes à se maintenir dans son super spin. Il a tossé, il a la super, encore la super spin. Il a tossé, encore tossé du côté de Wimbro Master. Et Marturo, c'est bien un garçon. Il reste plus que 20 points de retard. Allez, 20 secondes, il reste. Ah non! Allez, pour moi, on va prendre ce tous. Ce attention, ça ne fait pas d'erreur défensive. Allez, tu tiens pas, tu tiens. Il a jeté le match. Oh là là. Et Kikoun qui termine de la même façon qu'il a commencé le tournoi. Et c'est Kikoun qui remporte ce grand tournoi au Jabbers de l'Islandic Duck Fest. Et vous celui, malheureusement, on a dit que c'était prévu. Et bravo à lui. Et finalement, c'est un boucle qui est bouclé aujourd'hui. Ouais, c'est tant mieux. Son dernier tournoi et c'est celui qui gagne. C'est la dernière qui comptait. C'est vrai, toujours. Allez, vous, bien avec vous. Allez, bien avec vous. C'est le tournoi. Tu as gagné le cœur du public en tout cas, okay, voilà. Ça c'est l'important. Et tu as aussi gagné. Un petit mot pour cette deuxième place, que, quand même pas déshonorante, tu remportes un stick Blue Jammers. Magnifique, je crois. Trois pièces de collection. Ouais, j'espère que je vais faire un spectacle. Tu vas faire un très beau spectacle. Tu vas gagner la visite au moins, mais bon. Je me suis dit, tu vas les prendre sur pied. En tout cas, c'était un très très gros match, je suis très au niveau de Blue Jammers. Vous pouvez applaudir Wimbro Master, le second du tournoi. Et on va gagner le Blue Jammers à tous. Chacun va gagner. Évidemment, tous les yeux se tournent vers un homme, une certaine personne, et avant tout un ami. Non. Ah si, quand même, un peu, je l'aime, il sait que je l'aime. Le grand gagnant de ce tournoi. Alors, qui coûte déjà, première question qui me vient à l'esprit, pourquoi ça? Et pourquoi cet outfit stand-up, un projet? En fait, j'avais le choix entre stand-up ou Prince of Tennis, donc excusez-moi, j'ai choisi ce qui était le mieux pour moi. Le meilleur manga, c'est vrai. C'est vrai. Alors, tu les as surpris par ton counter pick? Un counter pick, je suis dégueulasse, gratuit comme ça, ouais. Pour un jeu très agressif. Bon, je pensais que... Après avoir joué passif comme ça pendant deux matchs. Max, rappelle-moi, on a vu sur Fight Card récemment, et qu'est-ce que je t'ai dit, mon You? Qu'est-ce que je t'ai dit? C'était pas mon cinquième couteau. C'était son cinquième. En fait, c'était même pas ni mon play, ni mon second, ni mon troisième. Je l'ai baisé et c'était pas mon play. C'était un bon perso pourri, j'ai joué 2 minutes. J'espère que vous avez apprécié. Merci, tu pars en retraite, tu
pars avec le marteau. Tu te barres sur les huées comme tu as commencé ta carrière de joueur. Ça va pas la télé. En tout cas, on peut quand même t'applaudir une dernière fois. C'était ton dernier tournoi. Et maintenant, tu vas pouvoir faire un bon jeu pour bien débuter. Tu es entré en champion et tu es parti en champion en tout cas. Bienvenue mon gars. Ah oui, on va remettre les lots à mettre. Sponsorisé par notre ému, hein, les belles pièces. Alors, très beau trophée en argent et en diamant. Et en transparent. Et une belle médaille pour Soun. Soun, qui est trophée. Alors, Soun, la troisième place de ce tournoi. Hop là. Voilà, et qui gagne des jeux, hein, le catalogue de notre ému. Donc, c'est plutôt propre. Hein, il ne repart pas les mains vides. Vous pouvez applaudir Soun. C'est bon? Voilà, je vais valer le stick customisé Windjammers, pièce unique au monde. Allez, ils sont en train de déballer tout ça au derrière là. Un petit DE2. Un beau modèle de Madcast, là ils sont en train de déballer tout neuf le machin, c'est... Ah oui, il y a la... Ah, c'est la... Il y avait presque... Hop là, ça c'est pas... Pour le deuxième. Pour le deuxième. Ah, j'ai que deux mains. Ouais, tu vas l'en remettre aussi. Pour le deuxième. Vibro Master. Un magnifique deuxième de ce tournoi de Jammers. Et qui repart les mains pleines de tout. Et avec un magnifique sticker Cador Windjammers au couloir de casse DE2. Customisé par notre élu là aussi en la famille. Les deux coups sur ça dans tes mains. La coupe en argent et la coupe. Et maintenant on a besoin d'un déménageur pour le gros lot. Alors là on va avoir besoin de main-d'œuvre pour transporter tout ça. Alors pour le premier gros lot, désolé. Alors. Un magnifique bar-top fabriqué exclusivement pour Windjammer France. Et un panier de garmin. Et des listerines. Donc écoute, le trophée en cristal. Le premier. Le panier repas. C'est vu. Et alors le bar-top n'est pas là, mais il sera directement expédié chez le gagnant. Pour plus de simplicité, bien évidemment. Et là, on vous enverra des photos sur Twitter. En tout cas, vous pouvez applaudir Kekoul, le grand gagnant. Branche d'as en tout cas, il n'y a pas de monsieur karaté là. C'est vrai que vous lâchez une guitare. And like Gutex says, oh my brother, testify. Yeah.